Ça n'a pas l'air d'aller, vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Je tiens à dire une chose avant le congrès de Rennes. Vous m'emmerdez tous. Voilà. Et vos propositions budgétaires, vous pouvez les tailler en pointe et vous les mettre dans le... Mais je vous en prie, ça va pas arranger vos affaires, ça. Mais vous êtes complètement ivre. Complètement ivre. Mais je croyais que vous buviez que de l'eau. On m'avait dit ça. Ben, c'était vrai, mais c'est devenu beaucoup trop dangereux. Depuis que Brice Lalonde a dit qu'il y avait des nitrates dans les nappes frénétiques là, et des bulles dans l'eau du robinet à Lyon, et qu'on ne peut plus boire un Perrier sans risquer d'exploser, eh bien, je me suis mis au pinard. Quand j'étais ministre, je n'étais pas grand. Je montrais mon cul à tous les passants. Non, je vous en supplie. Non, mais arrêtez. Si Dieu vous voit, il va vous dire quelque chose. Je m'en fous. Bah non. De toute manière, je vais me faire engueuler. Alors, parce que qui va trinquer pour la dernière connerie de Lalonde? C'est Bibi. Il nous a collé les agriculteurs sur le dos maintenant. On a déjà tous les médecins contre nous. À part Barzac, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Du pinard! Donnez-moi du pinard! Non, ça suffit, on arrête le pinard, vous n'en aurez plus. Oh. Il faut que je boive pour oublier. Vous l'avez vu? Le trou de la sécu? Le trou de... Hein? Non. 4 milliards et demi. Ouais, mais ça, c'est la faute. Je m'excuse à votre politique incohérente et décousu. Oh, c'est rigolo, ça. Ma politique est décousue. Si ça continue, on verra le trou de la sécu. Même type de...